سكهات وفارو ريو تشور تدر محانيك نصغنك ذو مدكوليو عوين النغتي لليل فترنا غنجاتا في السويت ومعنو غيش لي عارا تامور تتاكا غي ثمور كيما رد الليل هنا نقسم السكرات وقورت اغفلنا غذي غير ديا رعين صالح يفوق ستوب نغير فوق الصحراء من كمل ذي السفاري يزهر مع الشرا يضان اشي فوريس ذات رقيل يسولو في غزران يا للجن سيدنا يلا برمان الكليز ماريكان عراكي مين استعفى وهم النقويني والان يدور رياضي مكران ايد مسعان الهيفا بدنا مزون ذي سماوان اقرنا غيد مرحبا امثال النثني سدغن اشبح مسنة تاكوفا شاشة في ما ونسان لحون مبلا في نساء لاسكراني لين ولين نوكي ندون مثلها ليل زوزون وبحري في غالبي نتاس في رثاء بين القطعة الصف مغلي عند الثقال ضد الهنا ومطيش ما راي غلي في ذات سغال تيركا كي غناقي من شنو شفي غمزو مذي غلي فتشطا حفا فترقو ويتمو قول في زيري قاسم خلاف الجناس يلوى عمتيك تغني ولا ونيوث المعناس تنادف لهنا تيري Tamarast, on va vers Lascrain, toute l'équipe, comme ça. Bonjour, ça va, il fait très beau, on est à Tam, et ça se passe pour le moment très bien, on est satisfait, on a un bon café, ça va, merci. Bonjour, on a Tam à la race, on va passer une belle séjour. Au revoir. هما يطلعوا عن الريف باش يشوفوا كل شيء يشوفوا هذا المرض ويشوفوا واش كاين تما ولا وين كاين واحد الامور يديرها هذاك المرض.
يفرح عليكم يا عنده الاكسبليكاسيون. انا على بالي انا على بالي خلاص في 10 دينار انا هنا انا انا جيت واحد اربع اختراط ديجا على بالي كاع هيا سيبو خلاص هيا بيع هيا بيع هيا يعطيك الصحه اخويا احمد مرسي كوزين وين حاجه ما بغاش ساعه يا ربي صلاح محمد كوزين محمد يا سي وين صاحبك انت يا سي يا سي
On va le rejoindre dans quelques minutes. C'est une caméra. C'est une caméra minuscule comme ça. C'est pas vrai ça. Oh, oh, c'est incroyable. Allez, je l'avais vu dans ça. Dans la poche. Dans la poche. Ah oui. Ouais. On est sur le quatrième sommet, c'est pas le plus haut. Vous, les trois plus hauts, ils seront devant vous au coucher du soleil. Le Taat, le bouchon de l'Ilaman qui est très beau, qui émerge. Un sommet, j'ai oublié le nom, devant l'antenne. Et le quatrième, c'est ici. Donc on est là au cœur du Hogar, l'Atakor. C'est vraiment le centre de la montagne du Hogar, qui est entièrement d'origine volcanique. Vous voyez, tout ce qu'il y a derrière, autour de nous, ce sont des volcans qui ont à peu près 10 millions d'années, en gros. Hein. Ça s'est étalé sur des milliers d'années. À certains moments, la lave, elle était plus ou moins chaude. Et quand elle était autour de 650 degrés, visqueuse, un peu acide, elle formait, vous voyez, ce qui sort devant nous, les Tezouyans. Quand elle sortait dans l'air, ça se figeait rapidement et on a ces pics verticaux, on voit ça sort comme ça, directement de la terre. Les Tezouyak, ça veut dire les jumeaux en tamahak, là. Devant, on a la petite aiguille de la Sirwinan. Derrière, le trident et une belle pyramide à Dédou. Donc ça, c'est une table d'orientation, vous voyez, qui date de 1939. Elle est vieille, hein. Elle est confectionnée par qui? C'était le Touring Club de France qui avait fait ça. Ça a été fait dans le Puy de Dôme, il y a Rion. Et c'est tout. Elle a bien résisté, quand même. C'est du solide, hein. Oui. Quand même. Alors il y a le nom de toutes les montagnes. C'est pas Made in Taïwan comme vous dites ici. Hein. Voilà. Donc c'est le nom des différentes montagnes. Ça c'est les plus connus. Là. C'est dans le monde entier, on a ces photos-là. Hein. Il y a d'autres endroits, la lave elle était beaucoup chaude, à 1200 degrés, donc très liquide, et c'est le plateau de la Sécrète. Ça c'est cool, ça c'est très doux, ça c'est cool parce que c'était très liquide. Donc il y a différentes formes de volcans suivant la chaleur de la lave qui sortait. Ici. Là on a le houle, là la chaîne rouge, vous voyez les montagnes rouges, c'est le houle, ça veut dire le cœur, en tamac, le houle, c'est ce qu'on m'a dit tout à l'heure, mais c'est la même racine, la langue des Touaregs, le tamac, et c'est une langue berbère, voilà. Derrière là-bas, vous avez il y a un grand plateau comme ça. C'est la Caracar. Vous êtes passé à côté en voyant comme ça. Plateau de la Caracar. Vous avez expliqué tout à l'heure. Après, il y a les montagnes derrière Savanracet, là-bas, ici, le pic de la Houknet, et les autres montagnes, vous les verrez au coucher du soleil. Voilà. Alors, ici, donc, on est en haut, c'est un château d'eau, il pleut beaucoup plus que Savanracet. C'est pas le sommet le plus haut, mais c'est le centre orographique. C'est-à-dire que les Oued partent dans toutes les directions du plateau de la Sécrée et arrosent donc le Sahara central. Là, part d'ici, que vous avez sous vos pieds, c'est l'Oued de Savanracet. Vous le prenez, vous arrivez à Savanracet. Il y en a un qui part vers le nord, qui va presque jusqu'à Ouargla, là. C'est l'Oued Rafa. Il y en a qui part. Alors on est sur la ligne de partage des eaux. Les Oued qui partent vers le nord, ils vont vers la Méditerranée, et ceux-là, ils vont vers l'Atlantique Sud. Et oui, c'est une bande de vers. J'ai un très bon support sur ma tête. Voilà. D'accord. Là. Donc ça, c'est intéressant. Alors, des indications, avant qu'on rentre à l'intérieur, là, des indications. Alors, le coucher du soleil, c'est exactement dans 20 minutes. Il faut aller au niveau de l'antenne. Il y a une petite maison, vous pouvez trouver des petits coins un petit peu à l'abri. Mais ce qu'il faut surtout, rester après qu'il se soit couché, les couleurs, ça devient féerique. Hein. Et il faut surtout redescendre par la route d'Autrenu. Surtout, ne redescendez pas le grand chemin que vous avez pris. Pourquoi? Parce qu'il fait nuit très très vite et c'est casse-gueule. Hein. Un petit peu, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place dedans, puis il y a moins de vent. Vous n'avez pas trop de vent là, ça va? Ici. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu parler du père de Foucault. Voilà. Donc, le père de Foucault était venu en 1905 à Savanracet, invité par Abou Saïd Hamastan, la ménocale des Touaregs, avec qui il avait sympathisé, et il est resté tout seul en 1905. Il est tombé amoureux du pays, et surtout des nomades Touaregs. Et donc, quand on est amoureux des gens, on veut communiquer. Il a appris la langue, et il s'est aperçu que c'était une culture uniquement orale. Et à l'époque, ce monde-là n'avait pas du tout été influencé par les Italiens. Et c'était vraiment la culture des peuples Touaregs qui vivaient ici. Il a appris la langue. Enfin, il n'a pas fait que ça. Il a toute sa vie, il a vécu 11 ans à Savanracet, il n'a fait qu'un travail linguistique.
ça a été construit, ça, parce qu'il voulait rencontrer d'autres campements et d'autres femmes, parce que la culture était transmise par les femmes, les soirées. Et il prenait un autre. Vous allez voir, je vais vous montrer. Donc, il prenait des notes. Oui, on va aller assez vite quand même, parce que je vois que le soleil descend. Voilà. Donc, il a fait un dictionnaire. Il a recueilli les poèmes, parce que c'est des grands poètes. Les femmes étant seules, elles avaient beaucoup de responsabilités. Donc, elles transmettaient le mot à leurs enfants. Elles étaient propriétaires de leurs enfants. Les femmes n'étaient pas voilées. C'est les hommes qui se voilaient devant les femmes. Hein, c'est des voilées. Vous ne savez pas à cause de quoi ? Si vous en renseignez, on aimerait bien voir. Pourquoi que les... Une petite histoire, vous savez. Oui, simplement. Dans une guetta, vous avez vu les guetta, les foudreaux, il y avait un jeune qui se baignait, et puis arrive un troupeau de chèvres avec une petite bergère, il était tout, donc il sort, il se précipite, et il va vers ses vêtements, la première chose qu'il trouve, c'était son sarouel, il s'en fait un magnifique chèche, en fait, ça n'avait pas l'importance. Ah, très bien. Voilà, alors... Donc, il a fait construire cet ermitage, là, ici, pour venir travailler, pour rencontrer des campements et d'autres femmes. Vous allez voir son dictionnaire. Là, c'était la pièce où il vivait, mangeait, dormait, il travaillait. Là, ça a été transformé en salle de prière, vous voyez, pour les frères qui vivent ici. Oui. Là, et maintenant, je vous montre. Voilà, je vous montre le travail du père de Foucault, c'est quand même incroyable. Qu'il a fait. Donc il a fait un dictionnaire Touareg français. Ouais. C'est 4 volumes. Voilà, les 3 autres, ils sont là. C'est 2000 pages. 2000 pages d'une écriture fine. C'est 7 ans et demi de travail à 10h45 par jour. 10h45 par jour. C'est quand même incroyable. Donc il a fait ça, c'est plus qu'un dictionnaire, c'est une encyclopédie. Pas aussi, elle demande une maladie de chameau, il y a le traitement. Comment on se connaît ? Voilà, donc il y a plein de petits dessins, là il a fait la prochaine ça. Donc le genre de dictionnaire médicinal, en quelque sorte. Non, c'est toute la vie, c'est toute la vie, tu règles dans tous les domaines. Ça c'est la fabrication, c'est dans le dictionnaire, la fabrication du Limzad. La guetta. Voilà, donc ça. Alors bon, après, il faut que vous alliez plus de là. C'est un haut lieu de l'humanité, ça dépasse un peu. Il y a le monde entier qui est venu ici. Été vraiment tellement bouleversé. Et le grand trésor de la Sécrème, c'est ça. C'est les livres d'or qui sont là depuis 1955. Ce qui s'est passé dans le cœur des gens qui ont visité ce lieu, c'est incroyable. La moitié parle de Dieu. La moitié c'est vraiment un haut lieu. Là, je ne sais pas, vous êtes tous dans le couloir. Le 28. Oui. Alors ça, moi j'ai travaillé pendant un mois et demi sur ce livre d'or. Ça commence. On va essayer de... J'ai pris tous les passages les plus émouvants. Non, je suis passé à Béniabès. Non, moi je ne suis pas religieux. Hein. J'étais opticien. Je faisais les... Parce que j'ai passé là-bas. Oui, il est en train d'expliquer aussi.